Yo, salut à tous, c'est Mister Bidouf. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Je vais vous apprendre comment à faire croire à votre ami qui a un PC, quoi faire croire qu'il y a un virus, que Windows a détecté un virus. Donc voilà, donc ça c'est moi qui l'a créé. Donc je vais vous apprendre comment créer ça. Hop. Bien, ça on va supprimer. Donc il faut déjà l'application PowerBotch. Donc je mettrai un lien pour télécharger. Attendez, donc ça va s'allumer. Hein. Voilà. Donc je vais ouvrir le mien pour voir à quoi ça ressemble. Alors, ouvrir. Didi. Virus détect, ouvrir. Donc voilà, ça ressemble à ça. Donc je vais mettre mon fichier dans un lien de téléchargement. Et vous pourrez tout modifier. Mais pas vraiment tout. Il faudra faire attention à quelque chose. C'est de pas essayer de pas enlever les titles ou les échos. Parce que ça peut faire bugger. Donc vous pouvez modifier. Attendez, j'ai un petit bug. Non. Voilà. Voilà, vous pouvez juste modifier ça. Ça. Tout ce que j'ai écrit. Mais pas les. Là, il faut les laisser de coin, là. Ça, il faut les laisser. Donc, je vais vous mettre un lien dans la description pour faire ça. Donc, si vous voulez modifier la couleur, c'est ici. Normalement, on fait commande créer. Attendez, je cherche. Fonction spéciale. Activer break. Éteindre l'ordinateur. Toutes ces façons éteindre Windows sans préavis. Donc, voilà. Donc, vous pouvez carrément éteindre les ordinateurs. Comme ça, on fait croire. Ouais, il y a eu le virus et tout. Modifier page. Temporisation. Insérer partout Windows. Couleur de la fenêtre. Accéder à la fin du fichier. Oh, pff, version DOS. Réseau. Ping sur domaine. Voilà, pour faire plein de trucs. Hein. Donc, j'ai pas utilisé ça, sinon ça va s'arrêter d'enregistrer. Ça serait bête. Donc, programme, je cherche, j'arrive pas, mais je sais plus où c'est. Programme, console. On s'en fout. Débogage, ouais, donc je vais modifier la couleur, je vais par exemple mettre 2. Et on va voir que moi c'était rouge. Et moi ça va être pas rouge, ça va être une autre couleur, donc je sais pas la couleur. Alors bureau, on va mettre n'importe quoi, enregistrer. Hop. Et vous aurez ça. Et ça me fait un petit vert clair. Voilà, c'est beau. Hein. Un programme exécutable affiché comme. Voilà, si vous voulez par exemple regarder le titre ici, je vais le modifier. Hop, donc on va sur PowerBotch. Par exemple, je vais mettre Mister Bidouf 35000 VR par exemple. Hop, on enregistre. Sous, on met n'importe quoi, enregistrer. Hop, et là, Mister Bidouf 35000 VR. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc moi je vais mettre oui. Et là je vais voir si vraiment ça coupe l'ordinateur. Donc je vais vous dire, donc si ça coupe l'ordinateur, n'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner. Ça me fera plaisir. Et voilà, donc je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao tout le monde!